never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Donc comme d'habitude sur le site ZPerf, comme je vous ai déjà dit, c'est là que je vois les meilleurs perfs et je suis sûr que c'est les bonnes. Donc on est sur un moteur longitudinal 8 cylindres en V de 3982 cm3, 32 soupapes, injection directe, biturbo. Donc 637 chevaux, 639 chevaux, le couple maxi 900 Nm, le ratio 160 chevaux par litre et 226 Nm par litre. Bon, c'est pas mal. Donc le freinage, on est sur un disque ventilé percé, étrier fixe, 6 pistons. À l'arrière, le disque ventilé percé, étrier flottant, monopiston. C'est dommage pour l'arrière, un monopiston c'est mal. Ça aurait pu être mieux. Le poids annoncé, 2045 kg. Donc évidemment, les étriers 6 pistons, ils sont pour le poids aussi. Le rapport couple poids, 402 Nm par tonne. Consommation mixte 12,4 litres au 100, la sportive 23,3 litres au 100. Émission de CO2, on est en classe G. Là, le bonus, il va piquer. 288 grammes par kilomètre. Donc ça, c'est une petite... le prix de base neuf indicatif, 170 500 euros et 185 300 en 2022. Donc il évolue. Bon, c'est pas fou, hein. Puissance fiscale, 57 chevaux. La carte grise, ça va piquer. La vitesse max annoncée, 315 km/h. Et on est limité. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc ici, j'ai retrouvé d'occasion sur la centrale. 119 950 euros. Elle est de 2019, donc c'est une des premières. Hein. 2018, la date de sortie des premières. 75 000 km. Essence, évidemment. 119 000, elle n'est pas excessif. Donc il n'y en a pas énormément d'occasions à vendre. Il y a des 53, des modèles GT 53. Peut-être celle-là. Non, c'est pas la bonne. Je vous dis, il n'y en a pas des masses. Alors, ce modèle-là, il est pas mal. Il y en a beaucoup, celui-là, par contre, le prix, ça pique. Non, je trouve pas d'autres. Alors, je vous dis, on voit des 53, des 40, des 63, il y en a une, et une 43. Là, ça, c'est une 63. Donc qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est le premier modèle déjà, il n'y a pas assez de chevaux. Mais elle est quand même 99 000. Hein. 11 000. Voilà. On voit que c'est le premier modèle. Il manque. L'aileron, ça choque un peu. Il n'est pas beau. Bon, on va se voir une petite Axel là, ça va faire plaisir.
c'est le 0 à 312. On va voir si elle a encore de la patate derrière, si elle pourra aller plus loin. Je pense qu'elle peut aller beaucoup plus loin. On voit qu'elle est limitée, ça sursaute, ça s'arrête. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu de voir ce petit V8 monstrueux. Allez, prochaine vidéo. Salut!